Et pourquoi on est là ce soir? Parce que de l'eau vient. Parce qu'il y en a là-bas, qui lâchent rien là-bas, de l'autre côté du mur de la honte, de l'autre côté des checkpoints, en terre de Palestine, et c'est pour eux qu'on est là. Parce qu'ils restent debout et qu'on a envie d'être debout avec eux à leur côté. Alors j'espère, on espère simplement, et on sait qu'ici, ce soir, plus que jamais, ici, ce soir, nous sommes tous des Palestiniens, chacun d'entre nous. Au-delà de toute question de religion ou de race, parce que c'est le combat universel, tout simplement pour la liberté et l'indépendance, pour la justice, face à l'occupation, face à la colonisation. J'aimerais, résistance, effectivement c'est le mot, j'aimerais simplement, si vous voulez bien, dire quelques mots du grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Certains d'entre vous le connaissent, voilà ce qu'il disait. Il disait à propos du peuple palestinien, nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et non pas un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. Génération Palestine, donc c'est une association de jeunes européens qui a été créée à la suite de voyages avec la GUPS, de voyages en Palestine. Donc le but est aussi de créer justement au retour après ce voyage un échange entre les jeunes européens et les jeunes palestiniens pour pouvoir leur permettre justement de pouvoir faire connaître la situation sur place et un petit peu déconstruire les clichés et à ce moment-là de revenir en France pour créer des actions citoyennes, donc que ce soit l'organisation de concerts, de soirées de témoignages, de récolte de fonds pour soutenir des projets de partenaires. De la situation, ça s'améliore pas, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent quand même, et l'idée c'est vraiment de pouvoir converger, de pouvoir vraiment, voilà, on veut résister, mais on essaie tous, et notamment les gens de Génération Palestine, de plus être dans cette histoire de résister pour résister. Il faut concrètement, voilà, pouvoir converger, concrètement essayer de trouver des pistes d'action pour pouvoir faire bouger les lignes. Voilà, de là où on est, nous on est ici en France, et voilà, que ce soit là-bas, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays, il y a plein de gens qui font plein de choses. Et l'idée, c'est vraiment le plus possible de pouvoir converger, de pouvoir s'organiser, de pouvoir, et voilà, je le répète, c'est vraiment faire bouger les lignes. Et à un moment donné, rentrer dans un combat, il y a plusieurs leviers, quoi. Il y a le levier politique, médiatique, économique, et il faut qu'on puisse être sur chacun de ces leviers-là. Nous, on le fait en tant qu'artistes, entre guillemets, Génération Palestine le font en tant que militants de terrain. Et voilà, on s'associe à eux, naturellement. Ils ont volé nos terres, nos récoltes, nos paysages, fouillé nos jardins, nos maisons et nos villages, insulté notre histoire, piétiné notre héritage. Ils ont sali notre paradis avec des criages. Ils ont blessé nos filles, nos soeurs et nos mères. Ils ont tué nos fils, nos frères et nos pères. Et ils ont cru qu'on resterait soumis sans rien faire. Ils ont cru que notre peuple allait se taire. Grand, fier, fort, ils resteront les enfants de Palestine. Plusieurs dizaines de Parisiens se rendront là-bas. En été, il y aura plus de 120 jeunes européens cet été qui seront en Palestine pour découvrir, comprendre, mais surtout agir à leur retour en fonction de ce qu'ils auront vécu sur place. Alors la soirée de ce soir est une première pierre, un premier pas vers la poursuite de ce camp d'été, mais surtout, c'est la promesse d'avoir une rentrée riche en témoignages et riche en mobilisation, une mobilisation nécessaire pour qu'enfin puissent s'établir au Proche-Orient les principes élémentaires de droit et de justice. Thank you.
participe à cet événement pour la simple raison qu'on soutient l'association Génération Palestine et tout le travail qu'elle fait de sensibilisation par rapport à ce qui se passe en Palestine, spécialement ce qui se passe à Gaza, parce qu'on est concerné plus ou moins par ce qui se passe à Gaza. Et voilà, et à chaque fois qu'on peut participer à ce genre d'événement pour apporter en tout cas notre pierre à l'édifice, et on le fait. C'est très, très important pour nous. C'est très important pour nous-mêmes, ma famille, ma deux amis en Gaza, en Palestine, c'est très important. Moi, j'ai dit que nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses que nous avons fait. Nous avons fait des choses que nous avons fait. Nous avons fait des choses que nous avons fait. Nous avons fait des choses que nous avons fait. Nous avons fait des choses que nous avons fait. Nous avons fait des choses que nous avons fait. فاليوم انها حضور جزتين لاخواننا في غزه وفلسطين ونظلنا مستمرين حدش يقدر يوقفنا باذن الله اكيد انه هذا اقل شيء ممكن نقدمه لبلادنا اصلاحنا الورقه والقلم هذا اقل شيء نتمنى نقدم اكثر من واحنا صابرين وصامدين مش هنسلم بلادنا فلا. Gaza a été la cible de bombardements très intenses cette nuit des tirs de blindés soutenus par d'intenses moyens aériens. Nouvelle déclaration. Cette réalité du terrain, celle que nous souhaitons voir, c'est par le biais de ces quantités le moyen de déconstruire les préjugés qui présentent ce conflit bien trop souvent comme un conflit communautaire ou religieux. Qu'on nous présente sous la grille de lecture du choc des civilisations, alors qu'il s'agit d'un conflit politique, territorial et colonial. Ces préjugés que nous cherchons aussi à déconstruire en allant là-bas, c'est le fait que, bien trop souvent malheureusement, on tend à mettre dos à dos les deux protagonistes, comme s'il y avait deux États, deux armées qui se faisaient la guerre, en niant de fait la réalité injuste entre un occupant et un occupé. Et enfin, un dernier mot, cette soirée n'est pas seulement l'occasion de parler du camp d'été, mais c'est aussi l'occasion de rappeler quelle est la situation actuelle en Palestine, puisque contrairement à ce qu'il se passait il y a quelques mois, la Palestine, comme vous le savez, n'est plus aujourd'hui au premier plan dans les médias. Malheureusement, la souffrance des Palestiniens et la violation des droits de l'homme par Israël ne s'est pas terminée en janvier 2009, elle continue encore aujourd'hui. Alors on parle actuellement des centaines de familles palestiniennes sont menacées d'expulsion, leurs maisons menacées de destruction à Jérusalem. Alors on parle, la situation que vit le peuple de Gaza est encore pire que ce qu'elle était pendant les bombardements. Pendant les bombardements, à la rigueur, il y avait encore des convois humanitaires qui passaient. Aujourd'hui, plus rien ne rentre à Gaza et aujourd'hui, c'est 1,5 million de personnes qui sont en train de mourir asphyxiées. La situation d'aujourd'hui, c'est celle d'un gouvernement israélien qui nous a annoncé sa volonté de doubler les colonies à l'intérieur de la Cisjordanie et a commencé sur le territoire à le faire. Et c'est donc une promesse de plus qu'un État palestinien à côté de l'État d'Israël ne verra pas le jour. Enfin, cet État, c'est donc un État qui poursuit aujourd'hui sa politique de spoliation, d'annexion et de colonisation et qui appelle aujourd'hui une mobilisation de tous, de toutes et toutes, des États, certes, de la France, de l'Union européenne, mais de l'ensemble de ses citoyens. Et c'est le pari que nous essayons aujourd'hui de tenir et que nous vous promettons de tenir dès la rentrée prochaine avec le retour de ces jeunes et on espère bien sûr que vous serez avec nous pour relever l'ensemble de ces défis-là. فلا نامن ولا نكذب قالوا لي معلوم.
moment donné, ce qui se passe là-bas, quand tu le vois, quand tu vois ce qui se passe là-bas, déjà d'une, voilà, c'est inacceptable. Il y a des gens qui vivent dans, dans certaines conditions. Quand on parle de prison ouverte, voilà, tout ça c'est peut-être que des mots. Donc c'est vrai que cette action, notamment parmi tant d'autres, hein, de Génération Palestine, de pouvoir envoyer des gens d'ici qui puissent voir eux-mêmes ce qui se passe, qui puissent revenir et être témoins. Et après, en étant témoins aussi, après avoir vu ce qu'ils ont vu, et les conditions de vie des Palestiniens, voilà, la tyrannie et l'oppression israélienne, et bien de fait, naturellement, on devient acteur. De fait, naturellement, à un moment donné, on revient en se disant, voilà, je suis Palestinien. Et c'est ça l'idée, quoi. C'est qu'à un moment donné, voilà, c'est pas un combat de religion ni de race, c'est vraiment le combat pour la liberté, pour la justice, pour le droit. Et ce qui est en face, c'est l'occupation, c'est la colonisation. Donc de deux choses l'une, soit à un moment donné, on se dit voilà, ça ne me concerne pas, c'est trop loin. Ça veut dire qu'on accepte ça, ça veut dire qu'on accepte le statu quo, on accepte qu'il y ait 3 millions, 4 millions de gens qui sont emprisonnés, qui vivent dans des prisons à ciel ouvert, qui sont opprimés chaque jour. Ou soit à un moment donné, on se dit, ben voilà, il faut, ça nous concerne, ça nous concerne tous, parce qu'à un moment donné, on vit dans ce monde-là. Alors, on est à l'époque de la colonisation, de la globalisation, de la mondialisation. Ce qui se passe là-bas, ça nous concerne tous ici. Ceux qui nous disent, voilà, faut pas importer le conflit, c'est des gens qui sont pour le statu quo. Parce que de fait, si à un moment donné, tu veux pas importer le conflit, si tu veux pas en parler, si tu veux pas agir sur ce conflit, c'est que tu acceptes la situation telle qu'elle est. Et nous, on l'accepte pas, les militants ne l'acceptent pas, les Palestiniens ne l'acceptent pas. Ils sont, c'est aussi l'autre chose qu'on voit quand on va là-bas, c'est voilà, c'est des gens forts, debout, des gens qui lâchent rien. Et voilà, on a envie de rien lâcher avec eux, tout simplement.